500 métiers passion avec l'enseignement agricole public. 2014, le lycée Jules Riaffel et le lycée professionnel du Grand Bleu-Trot fusionnent pour devenir Nantes Terre Atlantique. Le pôle vert de la métropole nantaise est né. Deux sites principaux d'exception unissent leurs compétences et leurs efforts pour offrir un outil de formation publique unique en Loire Atlantique. Le site Jules Riaffel de Saint-Herblain, sur le parc du château de la Gournerie, et celui du Grand Bleu-Trot, dans le parc du même nom, dans le quartier nantais du Vieux Doulon. Des formations sont aussi proposées sur les sites de Nozay et de Guérande. Poursuivre ta scolarité avec Nantes Terre Atlantique, c'est te faire profiter d'une offre élargie au service de ta formation, le lycée général et technologique Jules Riaffel, le lycée professionnel du Grand Bleu-Trot, le centre de formation d'apprentis Jules Riaffel. Avec Nantes Terre Atlantique, c'est te donner la possibilité de te former de la 3e au diplôme d'ingénieur. Poursuivre ta scolarité avec Nantes Terre Atlantique, c'est être au contact de la nature et comprendre les enjeux de la biodiversité. C'est participer aux actions des éco-responsables, t'occuper de rapaces, de ruchers, d'un troupeau d'ânes, aider des personnes âgées à jardiner, participer à des actions régionales, nationales et même internationales. Poursuivre ta scolarité avec Nantes Terre Atlantique, c'est te donner la possibilité de découvrir de nouveaux domaines, d'élargir tes horizons, de voir plus loin. C'est participer à des actions de relations internationales avec la section RO ou par des stages à l'étranger en fin de première, mais c'est aussi accueillir. C'est participer à des visioconférences avec des partenaires étrangers. C'est découvrir différents domaines professionnels, visiter des entreprises horticoles, agroalimentaires, des fermes et des élevages, des cabinets vétérinaires. C'est préparer et effectuer des voyages d'études en Allemagne, en Irlande, en Espagne. Poursuivre ta scolarité avec Nantes Terre Atlantique, c'est profiter d'une pédagogie différente, projet, tutorat, individualisation, contrôle continu, stage, d'études du soir surveillées pour les internes, profiter d'un centre de documentation ouvert jusqu'à 19h, profiter de matériel informatique en libre service, d'un serveur intranet et d'un extranet performant. Poursuivre ta scolarité avec Nantes Terre Atlantique, c'est vivre et te réaliser dans les nombreux espaces d'initiatives qui sont proposés autour de l'environnement, de la citoyenneté, de la découverte du monde associatif, de développer ta culture et ta pratique artistique, ta créativité. C'est profiter de nombreuses activités sportives, de l'émulation en équipe, de challenges personnels et collectifs avec l'association sportive. Enfin, poursuivre sa scolarité avec Nantes Terre Atlantique, c'est se former et s'épanouir dans un établissement à taille humaine. Parcours post-3e. À la sortie du collège ou après une 3e prépa pro et LPA du Grand Bleu-Trot, c'est poursuivre en seconde générale et technologique, en suivant l'enseignement d'exploration, méthode et pratiques scientifiques ou le ATDD, c'est-à-dire écologie, agronomie, territoire et développement durable, qui, comme le nom l'indique, te permettra d'étudier un territoire sous son angle territorial, écologique, agronomique, économique et humain. Ou en seconde professionnelle en jardin et espace vert. Ou encore en production horticole. Mais aussi en CAPA. Travaux paysagers ou production horticole. Tu pourras aussi, avec le lycée Jules Riaffel, suivre une formation en bac scientifique, spécialité bioécologie et agronomie, ou en bac scientifique et technologique de l'agronomie et du vivant, le bac STAV. En option aménagement et valorisation de l'espace, en transformation alimentaire, en technologie des productions agricoles. Les domaines des travaux paysagers et de l'horticulture peuvent aussi être poursuivis par voie d'apprentissage au CFA, en CAPA, en BPA, en bac professionnel et même en BTSA. Exclusivement par apprentissage au CFA, Jules Riaffel, il te sera possible de suivre une formation en brevet professionnel agroéquipement, en bac pro biologie et industrie de transformation, en brevet professionnel responsable d'exploitation. Le CFA, Jules Riaffel, est le plus important centre de formation par apprentissage agricole des Pays de la Loire.
je te laisse lire le détail des formations professionnelles proposées par le lycée du Grand Bleu-Trot, ainsi que celles proposées par le CFA, sur Jules Rieffel. Tu as ainsi le choix de poursuivre aussi bien par voie scolaire que par voie d'apprentissage et passer de l'un à l'autre durant ta formation. Au lycée général et technologique, tu débuteras ta formation par une seconde générale et technologique. Tu auras à choisir entre plusieurs enseignements d'exploration, sciences économiques et sociales, ou principes fondamentaux de l'économie et de la gestion. Mais aussi un deuxième enseignement, à choisir entre le ATDD, pour une durée de 3 heures, nécessité par les sorties sur le terrain. Ou bien MPS, méthode et pratiques scientifiques pour une durée d'une heure et demie, essentiellement en laboratoire. Tu pourras t'y familiariser de manière ludique. Avec l'analyse scientifique, la génétique, la chimie alimentaire, la chromatographie. Mais tu pourras aussi ajouter à ta formation une option facultative à choisir entre la section euro-anglais, que tu pourras poursuivre en filière scientifique pour une mention euro au bac S. Tu y apprendras notamment à faire des mathématiques en anglais et tu participeras au partenariat avec Waterford. Mais si tu es sportif, tu pourras opter pour le SSA afin de décrocher ton premier niveau d'animateur sportif en football qui te permettra d'entraîner d'autres joueurs en club. Tu profiteras aussi toute l'année d'un dispositif d'aide et de soutien. Un accompagnement personnalisé et du tutorat, une individualisation en centre de ressources. Un atelier d'aide méthodologique. Le bac staff, ce sont trois spécialités. Aménagement et valorisation des espaces. Pour approfondir tes notions sur le paysage, l'écologie et comprendre les nombreuses problématiques liées à l'aménagement du territoire. Technologie des productions agricoles. Pour découvrir le monde agricole. Transformation alimentaire. Pour découvrir le monde de l'alimentation et de l'agroalimentaire. Le bac STAV est le seul bac technologique, avec le bac hôtelier, à inclure 5 semaines de stages individuels qui pourront se faire en Europe grâce à nos nombreux partenariats. Ces semaines sont une occasion unique de te familiariser avec un domaine professionnel et, ainsi, t'aider à choisir ta poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Le bac S, écologie, agronomie et territoire. Caractéristiques, une classe, 16 à 24 élèves, une équipe expérimentée, régulièrement 100% de réussite au bac. Une mention euro-anglais. Tu y étudieras de manière approfondie l'écologie, pour observer et comprendre la faune et la flore, les écosystèmes, l'agronomie, pour comprendre la vie des sols, le territoire, pour analyser les interactions humaines avec leur milieu. Après ces parcours, il te faudra poursuivre, et probablement à la suite d'un bac technologique feras-tu partie des 5% qui poursuivront en classe prépa ou en médecine, des 20% qui seront formés dans un BTS de l'éducation nationale, des 45% qui, ayant trouvé leur voie dans l'enseignement agricole, poursuivront en BTS agricole, ou bien des 30% qui feront le choix d'un IUT, IUP ou de filière en sciences humaines à l'université ou en STAPS. Un bac? Mais après, l'embarras du choix, car tu disposeras d'informations inédites sur des secteurs clés de l'économie française. Pour ton information, sache que l'insertion professionnelle après un bac pro ou un BTS agricole, c'est plus de 9 jeunes sur 10 ayant un emploi. Poursuivre tes études supérieures avec Nanterre Atlantique, c'est possible. En BTS à aménagement paysager, par voie scolaire ou par apprentissage. En BTS à technico-commercial produits alimentaires et boissons par voie scolaire. En BTS à système et technologie alimentaire par apprentissage. En BTS à production horticole par voie scolaire. En BTS à aquaculture. Et au-delà en licence pro du paysage ou en formation d'ingénieur en agroalimentaire. Tu pourras nous rencontrer à nos journées portes ouvertes. Toute la journée du samedi 28 février. Le matin du samedi 28 mars. Ainsi que le matin du samedi 6 juin. Mais aussi en effectuant un mini-stage en seconde générale lundi ou mardi jusqu'à fin avril. En seconde pro jeudi jusqu'à fin mars. En participant à un rendez-vous de l'orientation, les mercredis après-midi, tu visiteras le lycée, un membre de l'équipe de direction répondra à toutes tes questions. Comme tu le vois, nous sommes prêts à t'accueillir. Il ne te reste donc plus qu'à nous rejoindre. À bientôt.